Selon les évangiles, Jésus avait promis à ses disciples qu'ils partageraient avec lui le royaume de Dieu, royaume désigné tantôt comme le royaume d'Israël, tantôt comme le royaume des cieux. Juste après sa mort, l'attitude des disciples de Jésus, leurs espoirs et leurs désespoirs varient eux aussi d'un récit à l'autre. Pour ce qui se passe après la crucifixion, effectivement, euh, il y a tout de même, je dirais, une, une, un accord dans les évangiles euh, à signaler le désarroi des disciples, euh, à signaler euh, le, leur défaitisme, euh, à signaler le fait que l'annonce de la résurrection euh, est une nouvelle qui les prend à revers, auquel ils ne s'attendent pas. Euh, qui les fait se retourner, qui les fait revenir à Jérusalem, voire par exemple dans l'histoire des pèlerins d'Emmaüs, qui tournent le dos à Jérusalem. On, on, on a là, c'est vrai, un, un récit qui est symboliquement extrêmement fort, vraisemblablement une métaphore de, de ce qui s'est produit là après la mort de Jésus, où euh, le, le constat d'échec est posé sur... Euh, un espoir messianique, euh, dans la mesure où la mort s'est déroulée sans signe, sans prodige, euh, et sans que ce que peut-être les disciples avaient espéré jusqu'au dernier moment, une espèce de retournement prodigieux des événements, euh, ou alors de rebond de Jésus. Ayant annoncé euh, l'arrivée du euh, du royaume de Dieu. Jésus a terminé euh, crucifié par les Romains, avec peut-être l'aval euh, des autorités juives de son temps. Euh, le royaume euh, de Dieu ne euh, s'est pas matérialisé, et pour tous ceux qui n'ont pas bénéficié d'une euh, apparition de Jésus, euh, il n'y avait pas de raison de penser qu'il s'est passé quelque chose de particulièrement radical, nouveau, différent. Donc je pense que pour un très grand pourcentage des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, Jésus était un prophète qui s'est trompé, c'est-à-dire un faux prophète. Que se passe-t-il Naturellement, le problème se pose à la mort de Jésus. Quand Jésus meurt, quelle signification a cette mort Cela signifie-t-il que Dieu déclenche une crise, que son royaume va se réaliser tout de suite Ou est-ce que ça veut dire que la réalisation du royaume de Dieu est renvoyée à l'avenir il me semble que Jésus a une espérance qui est une espérance à court terme, c'est-à-dire qu'il avait espoir que son message et que sa proclamation de l'éruption du royaume de Dieu recevraient un accueil favorable. Il espérait peut-être que le peuple adhérait massivement d'ailleurs à cette annonce et qu'à partir de là, eh bien, ce royaume viendrait en quelque sorte, ou en tout cas s'instaurait quasi naturellement et que Dieu viendrait euh, parfaire le processus, euh, mais d'une manière relativement euh, imminente. Et euh, un logion comme celui des Douze Trônes trouve quand même une explication euh, la plus, euh, la plus, son explication la plus probable en fonction d'un horizon qui est un horizon terrestre, à savoir que euh, il y aurait un, une conclusion terrestre à cette proclamation de l'irruption du royaume et que euh, ce royaume trouverait donc son plein achèvement. Euh, Ici-bas. Alors, dans euh, l'évangile selon Matthieu, ce Logion, qu'on appelle cette, cette parole de Jésus, qu'on appelle le Logion des douze trônes, se présente comme cela. Euh, en vérité, je vous dis que vous euh, qui m'avez euh, suivi lors euh, de la nouvelle création, quand le Fils de l'homme sera, sera assis sur le trône de sa gloire, eh bien, vous, vous euh, siégerez aussi sur douze trônes jugeant les douze tribus d'Israël. Le texte est intéressant parce que si euh, on envisage que le dit ou que la parole puisse remonter au Jésus historique, alors derrière le verbe qui est employé en grec pour parler du jugement des douze tribus d'Israël se trouve un verbe en hébreu ou en aramien qui est de la racine de Shafat, qui veut dire non seulement juger, mais aussi régir, et qui peut donc envisager non seulement le jugement, mais aussi une sorte de gouvernement, ou en tout cas une forme de d'exercice de pouvoir sur euh, les douze tribus. Et euh, à ce moment-là, on peut proposer du Logion, c'est toujours le domaine du possible, je ne dis, dis pas ensuite quelle lecture il s'agit d'effectuer, mais euh, on peut proposer euh, du Logion une double lecture, et euh, parmi, euh, ces, donc, parmi la, les lectures possibles, il y aurait celle d'une promesse euh, valant euh, pour les disciples et leur indiquant que, il serait associé donc à une sorte de, de gouvernement du peuple d'Israël dans son entier. Du temps de Jésus-Terrestre, d'après notamment Matthieu, chapitre 19, Pierre qui dit, nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons faire Jésus dit, vous allez siéger sur les douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que les douze, véritablement, doivent renouveler Israël. Et Au début des actes, on va reconstituer le groupe des douze parce que un d'entre eux a manqué à la mission, celui qu'on appelle Judas, qu'on désigne en général comme un des douze. Or, euh, Judas appartenait donc aux douze, et il faut bien voir que si effectivement Jésus euh, a rassembler autour de lui douze disciples et je le crois euh, fondamentalement si jésus a rassemblé douze disciples c'était déjà pour exprimer quelque chose vis-à-vis d'israël et euh, la prétention justement de rassembler autour de ces douze l'israël renouvelé et eschatologique dont il attend qu'il se constitue autour de la proclamation du royaume pour rénover israël il était important que jésus ait des gestes et des actes symboliques et le fait des douze, étant donné le renvoi aux douze tribus d'Israël, avait de ce point de vue-là un sens tout à fait symbolique. Mais il ne faut pas voir Jésus comme instituant les douze de manière solennelle, convoquant tout le peuple, pour, je dirais qu'il y a là un espèce de fait qui peu à peu s'est constitué. C'est-à-dire que Jésus a constaté et a donné un sens au fait qu'il a eu des disciples. Qui ont été proches de lui et que lui ce groupe de fidèles il l'a interprété comme groupe des douze. Trois listes de disciples figurent dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, mais elles ne concordent jamais exactement entre elles, attribuant des places et des noms différents aux douze disciples. Ce groupe, à mon avis. Euh n'est pas composé que des douze. Il y a un cercle restreint, appelons-le le cercle des intimes, le cercle des douze, mais entouré d'un cercle d'adhérents beaucoup plus large, parmi lesquels on peut trouver euh, Joseph d'Arimathée, euh, Zachée, euh, des femmes signalées par l'évangéliste Luc au chapitre 8, euh, Marie de Magdala et tant d'autres. Donc, un groupe. Euh, je dirais, euh, rapprocher et un cercle plus large d'adhérents. Euh, D'abord, on n'est pas obligé euh, de penser que les douze étaient douze, euh, parce qu'au fond, douze est un chiffre symbolique. Et ce qu'on constate, c'est que les listes des douze dans le Nouveau Testament euh, comprennent un certain nombre de figures obligatoires. On n'imagine pas une liste des douze sans Pierre, sans Jacques, sans Jean, sans André, etc. Mais quand on arrive à la fin de la liste, on voit qu'on euh, a des variations assez importantes. Donc on a l'impression qu'il y a un quatuor de tête, que le chef, le premier violon du quatuor de tête était Pierre. Puis ensuite, quand on va un peu plus loin, on voit que les frontières des deux sont flexibles. Donc on imaginera que Jésus était accompagné d'un certain nombre de, euh, de compagnons. On a des, des petits détails. Euh des petits détails, je parle des douze, au sein des douze ou bien de, indépendamment de Paul. Par exemple, la fameuse question « Qui est le plus grand ?» C'est une bonne question, <laughs> hein, qui revient deux fois, même au moment ultime. Ou bien, euh, à un moment donné, euh, Pierre et les autres disent à Jésus « Il y a des gens qui, qui baptisent et font des miracles en ton nom, mais ils sont pas de chez nous. Est-ce qu'il faut appeler le feu du ciel sur eux ?» J'ai dit « Non, tranquille ». Mais on voit bien comme ça des, des petits détails de type un peu, comment dirais-je, qui, qui, qui font toujours penser à une mentalité un tout petit peu sectaire ou étroite. Hein. C'est nous, le vrai groupe, et pas, pas les autres. Le groupe des douze anticipe le royaume à venir. Un royaume que certains comprennent comme le royaume céleste vers lequel ils monteront à l'appel du ressuscité. Un royaume que d'autres, au contraire, n'imaginent pas ailleurs que sur Terre, sur la terre d'Israël, enfin purifiée de la présence romaine. Alors euh, là, on est en acte 1, 6 et suivant, donc tout au début du deuxième volet de l'œuvre. Euh on appelle, comme dit l'œuvre à Théophile, donc première partie de l'Évangile selon Luc, deuxième partie le livre des actes des, des apôtres. Et donc, alors que Jésus, ressuscité, est en compagnie de ses disciples pendant 40 jours, continuant d'ailleurs à leur parler, selon l'auteur à Théophile, de ce qui concerne le royaume de Dieu. Euh, voilà que euh, les disciples l'interrogent. Je prends le texte parce que ça me paraît euh, important et euh, lui demande euh, Maître ou Seigneur, euh, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis la royauté pour Israël On est en plein euh, dans la question. Qu'est-ce qu'on attend On attend que Dieu, par un envoyé, si possible, s'il pouvait lui-même intervenir directement, ce serait encore mieux. On attend par un envoyé. Dieu libère Israël du poids des païens. L'occupation romaine a été vraiment un acte humiliant pour ce peuple qui est tout à fait conscient de, de ce qu'il représente, c'est-à-dire il est témoin de la sainteté de Dieu au milieu d'un monde païen, d'un monde impie. Or cela, il ne peut même plus le réaliser à cause de l'occupation romaine. Les païens sont là, à la porte. Il ne faut pas oublier que, euh, dans Jésus, de nombreux non-juifs habitaient en Terre Sainte, entre guillemets, et qu'il existait euh, des, des, des villes composées largement de, de grecs, non-juifs, euh, où se rencontraient des, des temples. Donc pour les, les juifs les plus traditionnalistes, euh, la situation était inacceptable. Je la voie est tracée, j'entends, la voie est tracée dans les années 30, dans le judaïsme palestinien, euh, c'est l'espoir d'une restauration d'Israël. Donc, un espoir dont on connaît les multiples variantes, mais qui en gros trouve sa cohérence dans l'attente euh, d'une restauration de la pureté d'Israël. Et la restauration de la pureté d'Israël, c'est à la fois le terrassement du mal, des vecteurs du mal que sont les impies qui foulent la Terre Sainte euh, c'est l'attente de la conversion des pécheurs à l'intérieur du peuple c'est l'attente d'une restauration théocratique ce que les zélotes vont prendre en charge, car les zélotes sont défenseurs d'une lecture théocratique de la l'avenir d'Israël. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de replacer ça dans le contexte de la Judée à ce moment-là, sous les gouverneurs romains qui étaient quand même assez féroces, il y avait de plus en plus de mouvements de type zélote. Des zélotes donc, qui, qui pillaient, rançonnaient, etc., donc, euh, qui étaient qualifiés de brigands, parce qu'ils captaient ce qui aurait dû être des impôts arrivant. Soit le temps, soit chez les Romains, donc euh, fiscalement euh, brigands ou, ou voleurs, alors qu'on appelle sicaires parce qu'ils ont un, un, un poignard un peu court, une sica, etc. Euh, donc de plus en plus de mouvements, de, de rébellion euh, contre, euh, contre un peu tout et tout le monde, mais religieuses. zélotes. Je crois qu'il est effectivement possible. Que des juifs du premier siècle de notre ère, entendant parler du royaume de Dieu, puissent imaginer que le règne de Dieu est inévitablement l'instauration d'une autre économie sur la terre d'Israël. Bon, ça, c'est une chose. Mais le règne de Dieu, c'est une théocratie. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas Si vous l'exprimez en, en termes politiques, c'est une théocratie. Une théocratie qui n'est plus que de. Une construction artificielle en Israël avec l'occupation romaine, le, le fait que le, les rois, les grands prêtres, n'importe qui collaborent avec l'ennemi. Bon, il y a longtemps que Israël n'est plus une théocratie, donc c'est le rétablissement d'une théocratie. Et là-dedans, évidemment, au sein de cette théocratie, on pourra avoir des responsabilités, des places, des des programmes, je dirais, d'organisation. Là-dessus, les évangiles sont très euh, silencieux. Bon, on parle simplement, effectivement, du règne de Dieu. J'ai l'impression que toutes les sources que nous avons ne permettent pas vraiment de donner une épaisseur politique à l'action de Jésus. C'est vrai qu'il s'agit de sources qui sont postérieures à la mort de Jésus. Donc ce sont des sources qui réécrivent l'histoire à la lumière de ce qui s'est passé ensuite et qui du point de vue politique est apparu comme un échec. Mais la tradition sur Jésus ne permet pas, selon moi, de faire l'hypothèse que la libération politique et militaire de la Palestine était pour Jésus un problème de première importance. Je crois que le texte est très clair. Si vous voulez bien vous souvenir, à quoi s'attendaient les disciples de Jésus? Ils s'attendaient à la restauration du royaume d'Israël. Au premier siècle, il y avait énormément de juifs qui espéraient la restauration du royaume et qui sont partis en guerre. Des pièces de monnaie qui remontent à l'an 60 portent des slogans pour la libération d'Israël. C'est ce qu'on voit à la fin de l'évangile de Luc. Des disciples sont en route pour Emmaüs. Jésus ressuscité vient à leur rencontre et leur demande, Comment pouvez-vous être si tristes Ils répondent, Tu ne sais pas ce qui est arrivé Jesus says, "What happened?" Jesus dit, qu'est-ce qui est, qu est arrivé? Et dit, oh, it's all about Jesus of Nazareth who showed himself a prophet, powerful in action and speech before God and the whole people, and how our chief priests and our leaders handed him over to be sentenced to death and had him freed. Our own hope had been that he would be the one to set Israel free. Now, Israël, We, is Jésus a défendu un, un idéal et un programme de réforme d'Israël. Oui, mais euh, ça ne légitime pas n'importe quel discours. Le fait de se situer à l'intérieur d'Israël ne légitime pas n'importe quel discours et notamment visiblement pas un discours de type nationaliste. Et deuxièmement... Euh, nous n'avons pas trace dans la prédication, dans l'annonce que fait Jésus du royaume, des traits spécifiques du nationalisme juif. Jésus, ça Jésus sait que l'armée d'occupation commet des exactions. Il est même probable que Jésus liait l'occupation romaine et l'impureté. Il y a la fameuse histoire de l'armée des esprits. Le démon, qui se nomme Légion, est chassé et transformé en porc. Comment dire Les implications politiques de cette histoire me semblent très claires. Et Jésus Jésus pense que Dieu est d'une certaine façon en train d'intervenir en chassant ces démons qui matérialisent l'occupation militaire. Mais apparemment pour Jésus, cela n'impose pas d'organiser une révolte politique et militaire. Quand Jésus dit si c'est par l'Esprit de Dieu que, ou si c'est par le doigt de Dieu, que euh, j'expulse euh, les démons. Alors, le royaume de Dieu a fait irruption jusqu'à vous. et eh bien, euh, il lie l'irruption du royaume de Dieu à des actes qu'il pose, mais des actes qui n'ont rien de politique a priori, et qui ont plutôt lien, euh, qui ont plutôt euh, un lien avec la libération euh, des personnes. Et euh, je crois que pour Jésus, il faut faire une distinction entre deux catégories, et c'est un point important. D'une part, on pourrait analyser euh, son son intervention en termes d'activisme et d'activisme politique, mais un activiste a en général des partisans, et euh, on peut l'analyser en termes de prophétie. C'est-à-dire que Jésus se présente comme un, un prophète, et pas n'importe quel prophète, mais un prophète qui exprime justement ce qui pouvait paraître euh, incroyable, à savoir que le royaume de Dieu fait irruption. Et euh, un tel prophète, en général, a des disciples, et c'est plutôt euh, là, c'est plutôt ainsi euh, qu'il convient, euh, son petit, d'interpréter la venue de Jésus. Flavius Joseph parle de plusieurs personnages qui ont été poursuivis puis exécutés par les Romains, mais il ne dit pas vraiment pourquoi. Il dit que c'était des prophètes qui promettaient signes et miracles, mais il ne dit jamais en quoi c'était une menace. L'exemple le plus clair se trouve au chapitre 20 des Antiquités juives, où est mentionné un prophète égyptien, cité aussi dans les actes des apôtres. Il promettait que sur son ordre, les murailles de Jérusalem s'écrouleraient. Le gouverneur a envoyé ses troupes. Il y a eu beaucoup de morts et de prisonniers. On se demande pourquoi un gouverneur romain s'inquiéterait de quelqu'un qui prétendait qu'en disant Pouf sur le mont des Oliviers, il ferait tomber les murailles. Il y a un autre livre écrit par Flavius Joseph un temps plus tôt, La guerre des Juifs. Il raconte l'histoire d'un autre prophète égyptien qui se préparait avec ses partisans à attaquer Jérusalem. Mais le gouverneur romain les a fait arrêter, etc. Donc ici, on a deux livres écrits par le même auteur. Le premier écrit dans les années 70 et le deuxième dans les années 90. On voit clairement que Flavius Joseph, dans les années 90, avait intérêt à ne pas faire apparaître les figures religieuses du judaïsme comme des menaces pour l'autorité romaine. Maintenant, si on prend les évangiles, on n'a pas les deux versions. On n'a que celle où l'évangile ne représente aucune menace. Il s'agit de tendre l'autre jour, de rendre à César ce qui appartient à César. S'il ne s'agissait que d'attendre un royaume qui ne menace pas le pouvoir romain, il n'y aurait pas de raison pour que Pilate s'alarme et intervienne. Je préfère défendre l'idée que les Romains ne se trompaient pas sur les chrétiens, mais que les évangélistes croyaient sincèrement qu'ils apportaient quelque chose de différent et de plus profond. Mais pour les Romains, deux royaumes ne peuvent pas coexister. Quand un royaume s'établit à l'intérieur des frontières d'un autre royaume, il y a la guerre. Et Ponce-Pilate le savait. Ma credo che questa sia una posizione molto difficile da difendere. Il è vero che la presenza dei romani era considerata come un'opportunità. était considéré comme un facteur d'impureté, un facteur très important qui empêchait l'instauration du royaume de Dieu. Et pour instaurer le royaume, il fallait éliminer l'occupation romaine, avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais en Jésus, nous avons un aspect assez paradoxal. Pour Jésus, le royaume de Dieu commence déjà à se réaliser indépendamment de l'expulsion des Romains, indépendamment d'une hypothèse de purification de la terre d'Israël par une action politico-militaire. Dans les évangiles synoptiques, on trouve des éléments en faveur des deux tendances. À certains moments, Jésus parle du royaume de Dieu qui est en nous, un royaume de Dieu intime. Ainsi, il utilisera la parabole de la graine de Sénovée, quelque chose de petit nous tient à cœur. À d'autres moments, Jésus parle en termes d'Escaton, de la fin des temps, de la destruction du temple. Donc la question est, doit-on voir là le résultat d'un long processus éditorial et attribuer, disons, la première tendance au Jésus historique, au vrai Jésus, et la deuxième à un rédacteur tardif, ou doit-on penser que Jésus, à différents moments, a exprimé différentes réactions, voire différents sentiments Ce que l'on peut dire, ou de manière historiquement avérée, c'est que comme Jésus a été. Euh Accusé et crucifié avec un, un panneau qui apparemment indiquait qu'il lui reprochait justement d'avoir revendiqué d'être le roi des juifs, la proclamation par Jésus du royaume de Dieu, de l'irruption du royaume de Dieu, a été comprise par certains en termes politiques. Rien ne permet de savoir si Jésus a espéré réellement régner sur Israël, mais rien ne permet non plus de dire qu'Israël n'était pour lui qu'une question secondaire. Premièrement, il faut constater qu'aucune des prophéties qui lui sont attribuées ne s'est réalisée. Et deuxièmement, que malgré cet échec, les actes des apôtres soutiennent que les premières générations continuent d'attendre et d'attendre encore leur accomplissement. Dans son deuxième récit de l'Ascension, c'est-à-dire en acte 1, euh, Jésus répond à ses disciples qui lui disent, Seigneur est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir, et c'est le, le verbe de la restauration eschatologique, tu vas rétablir le royaume pour Israël. Réponse, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous le début du livre des actes témoigne de ce même problème quand on demande à jésus c'est une information incroyable que l'auteur des actes connaissait quand jésus ressuscité apparaît à ses disciples la première et unique question qu'il lui posait quand vas-tu restaurer le royaume d'Israël Luc présente cette question comme l'interrogation initiale. Après, l'essentiel de sa tâche sera de changer les priorités. Tout le livre des actes se consacre à changer les priorités, à réinterpréter les temps nouveaux. Donc, il y a, d'une part, un déni posé sur la maîtrise du temps. Donc, un déni posé sur la tentative apocalyptique de fixer un calendrier, un tempo, de périodiser la fin de l'histoire et de pouvoir euh, prévoir le temps de la fin et l'émergence de la fin. Puis il y a deuxièmement euh, un transfert de l'attention, un transfert de l'attention de la fin de l'histoire ou dedans de l'histoire si j'ose dire. Puisque L'annonce du Saint-Esprit qui viendra sur vous euh, fonde un programme qui est un programme de témoignage, de témoignage animé par l'Esprit, témoignage livré aux ressuscités. Euh, troisièmement, troisième déplacement, euh, de l'espoir de la restauration pour Israël, on passe un programme de témoignage. Euh, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre, et donc les disciples qui espèrent peut-être un rétablissement de type politique sont détournés de cela et renvoyés à un accomplissement euh, dont. Euh, enfin, dont le terme n'appartient euh, qu'à Dieu seul. Et alors que euh, eux-mêmes euh, attendaient donc euh, une, euh, un accomplissement imminent, voilà qu'ils sont renvoyés à un écart temporel avant que cet accomplissement euh, survienne et qu'une promesse euh, leur est faite, qui euh, est une promesse qui va les engager en fait à toute une œuvre missionnaire puisqu'ils euh, vont être euh, appelés à être les témoins euh, de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette promesse, c'est d'une habileté prodigieuse de la part de l'auteur de l'Évangile selon Luc. Elle est proclamée par le ressuscité. C'est la seule parole que prononce le ressuscité dans tout, dans tout le livre des actes. Et voilà précisément que c'est le plan de tout le livre des actes. Donc, on voit qu'il y a un travail de rédacteur qui est absolument prodigieux et qui fait énoncer le plan même de l'œuvre. Par le héros de, de l'histoire, puisque c'est le Christ de ressuscité qui agit, même à travers les disciples au cours de la mission. Mais en même temps, ce programme va avoir une portée toute particulière puisque il va détourner les disciples d'une attente imminente pour remplir le temps qui les sépare de l'accomplissement dernier par une œuvre missionnaire. I je crois que vingt ou trente ans après la crucifixion il est devenu évident que le royaume d'israël ne serait pas restauré donc le royaume de dieu ne s'établirait pas sur terre puisqu'il devait inclure le royaume d'israël les disciples de jésus même les gentils 20, 30 ou 40 ans plus tard, ne parvenaient pas à se défaire de cette espérance eschatologique, l'espérance de la fin des temps attachée à Israël. Donc, dans cette situation où cet espoir n'existe plus, et je crois que c'est ce que l'auteur du livre des actes essaie de faire, dans une situation où l'espérance eschatologique n'existe pas, le royaume d'Israël n'existe pas. Vous ne le voyez pas venir. Il existe d'autres options. En effet, à la fin des temps, il y a diverses options. Le don du Saint-Esprit, le retour de la prophétie et la spiritualisation. Tout ceci existe et tient une place éminente dans le scénario eschatologique. Donc, l'auteur du livre des Actes opère ce changement de priorité du royaume réel ou historique, il glisse à un royaume de nature plus spirituel. je pense que à l'époque des, des premiers écrits chrétiens et des premières communautés chrétiennes, euh, l'avenir était un objet de grande, grande discussions. il y avait des attentes impatientes. Euh, il y avait des mouvements apocalyptiques. Il euh, y avait aussi une position que j'estime je, plus pharisienne, qui est la délimitation des zones. Il euh, y a cette terre-ci, ce monde-ci, dans lequel on doit admettre même l'occupation étrangère. On doit même prier pour le prince étranger qui occupe le pays. Et au lieu d'avoir une espérance apocalyptique pour demain, on a plutôt une conscience de la réalité céleste supérieure. On remplace les catégories du temps par celles de l'espace. Donc le royaume est un royaume céleste. Je pense que Paul a beaucoup modifié les interprétations de Jésus. Dans les évangiles, on a la très nette impression que Jésus était une sorte de professeur de morale qui attendait l'arrivée du royaume de Dieu dans son acception politique et nationale. Quand il a été tué, les gens croyaient encore qu'il instaurerait le royaume de Dieu. Et les Romains l'avaient exécuté parce qu'ils craignaient qu'il le fasse. Paul, dans une large mesure, élimine le caractère national de l'évangile. Il affirme quelque chose que Jésus n'aurait pas pu dire de son vivant, car il n'était pas prévenu de sa résurrection. Paul peut dire, cet homme a été ressuscité. Mais comme il n'a pas opéré de changement sur le terrain politique, faisons-le agir au plan individuel. Faisons intervenir Jésus ressuscité dans les problèmes de ceux qui doivent assumer leurs conditions mortelles. Faisons de sa résurrection un système théologique qui promettra l'immortalité. Le salut et l'immortalité reviendront à ceux qui s'attachent à Jésus, puisque Jésus est devenu immortel. Dans la première épître aux Thessaloniciens, un de ses textes les plus anciens, on voit que Paul est profondément convaincu qu'il sera encore vivant au moment où Jésus reviendra en tant que juge pour sauver tous ceux qui ont cru en sa parole. Mais Paul ne présente pas cela aux Thessaloniciens comme l'instauration d'un royaume dans ce monde. C'est un élément important car naturellement les attentes sont vives dans le monde juif de l'époque. On espère une transformation du monde présent. Un monde dans lequel Dieu aurait imposé son autorité, dans lequel Israël aurait occupé une position centrale, dans lequel le peuple aurait dominé le monde. Tous n'étaient pas convaincus que l'on pouvait sauver le monde. De nombreux textes apocalyptiques affirment que le monde devra d'abord être détruit puis recréé par Dieu, car le monde actuel a été ravagé par le péché. Apparemment, pour Jésus, le royaume de Dieu commence déjà dans ce monde. Par conséquent, ce monde peut être transformé en royaume de Dieu. Oui. Alors, la matérialité du royaume. Je pense, que la séparation entre politique et religieux ou entre social et, et, et spirituel, ce, ce sont des séparations, des distinctions euh, modernes. Mais en tant qu'historien et que exégète de ces textes, on, on devine quand même dans le judaïsme une variété de conceptions du royaume. Et la particularité de la perspective apocalyptique, c'est de faire éclater euh, un certain particularisme de l'espérance. Et je crois que Jésus a participé à, cette, à, cette, à cet éclatement. Je ne vois aucune opposition entre le terrestre et l'eschatologique. L'eschatologique se rapporte à la fin des temps. Quand la Bible parle de choses qui vont arriver à la fin des temps, ce n'est pas toujours clair. Il peut simplement s'agir du futur. Il n'y a pas véritablement de différence étymologique entre l'eschatone et le terrestre. Il peut éventuellement y en avoir une entre un royaume des cieux et un royaume terrestre. Pour certains, la vision du futur suppose que les cieux descendront sur terre, car ce qui vient du ciel est réputé bénéfique. Quand Jésus a parlé du royaume de Dieu, Basilea tout est où ton Juanon Basileu tonu Kingdom of Heaven uh, Evidently he didn't il ne parlait pas grec mais araméen He spoke in Aramaic de <coughs> adrakia Kingdom of Heaven ou Malchuta de laha Kingdom of God Évidemment, pour lui comme pour tout le monde, pour ses disciples, pour sa famille, tous comprenaient qu'il parlait du royaume de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif. Le royaume de Dieu signifie que Dieu sauvera le peuple juif d'un point de vue politique que le peuple juif retrouvera son indépendance, qu'au moins la plupart des juifs de la diaspora, sinon tous, reviendront d'exil et retrouveront la terre d'Israël, et qu'à partir de ce moment, sur la terre d'Israël, la Judée, le peuple juif vivra d'une manière exemplaire dans un royaume modèle, une société modèle. Ce serait cela, la réalisation et la manifestation du royaume de Dieu sur terre avec le temps. L'écart va se creuser entre les attentes et les espoirs des disciples de Jésus de son vivant et leurs espoirs, leurs attentes après sa mort. C'est notamment la croyance en la résurrection qui, peu à peu, va transformer le prophète galiléen en Seigneur Jésus, en Christ ressuscité. Après. La, la mort et la résurrection de Jésus, dans la mesure où les disciples étaient convaincus que Jésus était ressuscité, eh bien l'attente des disciples s'est quelque peu transformée. et euh, il paraît assez clair qu'ils euh, en sont venus à attendre euh, également son retour, son retour devant euh, manifester justement la pleine réalisation euh, du royaume.. The resurrection is... La résurrection est combinée à la parousie, le second avènement. Jésus est ressuscité et donc il va revenir bientôt. Paul dit dans l'épître aux Thessaloniciens, nous les vivants, nous le verrons revenir des cieux. Il y aura une résurrection générale. Et dans l'épître aux Corinthiens, nous, les vivants, serons transformés, les morts ressusciteront. Jésus doit vaincre toutes les forces hostiles avant de remettre le royaume au Père. C'est certainement ce qui a été le, le problème de la première génération. Autant qu'on puisse le voir, l'espérance du retour du Christ a été quelque chose de fort. Et il faut bien voir que le retour du Christ, c'est la fin des temps, c'est l'attente eschatologique, l'attente de la fin des temps, donc quelque chose qui sera un bouleversement général de l'ordre du monde, du monde des hommes, mais aussi du monde céleste, de tout. C'est vraiment le bouleversement intégral. You know, I think of... Vous savez, je conçois la première génération du christianisme comme une forme extrême de judaïsme. C'était pour ainsi dire radioactif. Elle dégage une énergie incroyable en un temps très court, car pour réussir, tout mouvement millénariste doit évoluer rapidement. Dans les épîtres de Paul, après que cet homme ait voyagé partout d'Est en Ouest, Prêchant le retour imminent de Jésus, dans sa dernière épître à la communauté de Rome, il proclame encore, le salut est plus proche que nous ne l'avions d'abord cru. Voilà un homme qui, depuis plus de 20 ans, répète que le royaume va arriver et il n'arrive toujours pas. Et pourtant, dit-il, il est plus proche que jamais. Spécialement dans sa lettre écrite en prison, Paul commence à envisager la possibilité qu'il ne sera plus vivant lorsque le Christ reviendra. Mais cela ne déplace pas de manière décisive sa thèse d'un retour imminent. Naturellement, le problème devenait plus pressant à mesure que le temps passait et que ce retour ne se réalisait pas. Il devenait nécessaire d'interpréter théologiquement le présent, c'est-à-dire le temps compris entre la résurrection et l'ascension et le retour glorieux de Jésus comme juge pour instaurer le royaume de Dieu. Durant les premières années, il n'était pas urgent de traiter à fond ce problème, car Paul pensait que cela interviendrait très vite. La première grande réflexion à ce sujet est celle de Luc. Luc tente de donner un sens théologique à l'histoire du présent. Luc considère le retour du Christ comme marginal. Pour lui, cela reste un horizon important, mais ce n'est pas théologiquement décisif à brève échéance. On peut être tenté de dire en sondant les bases du Nouveau Testament, c'est-à-dire les épîtres de Paul et les évangiles, que plus le texte est tardif, plus l'urgence diminue. Paul attend le retour de Jésus de son vivant. L'évangile, selon Marc, au chapitre 13, prétend que la destruction du temple sonnera la dernière heure à l'horloge de Dieu. On saura que la parousie est imminente. Lorsqu'on arrive à Matthieu et Luc, eux savaient que la destruction du temple n'était pas le signe du retour du Christ. Alors ils ont encore infléchi la tradition. Enfin, avec l'évangile de Jean, la théologie se développe dans une toute autre direction. On peut se dire, plus le temps passe, plus les attentes diminuent. Mais si on regarde d'autres textes, comme la deuxième épître de Pierre, je vais lire le texte car d'abord c'est un texte ancien qui aurait été écrit dans un grec excellent de la part d'un modeste pêcheur de Galilée. Il aborde les problèmes posés dans la communauté parce que Jésus n'est toujours pas revenu. First of all, you must understand this: that scoffers will come in the last days. so the fact that there is a, um, Le fait people que les gens commencent à douter est la preuve qu'on en est arrivé au dernier jour. Scoffers will come in the last days with their scoffing, following their own passions and saying, "Where is the promise of his coming?" Because ever since the fathers fell asleep, all things have continued as they were from the beginning of creation. They deliberately ignore the fact that by the word of God, heaven existed long ago and the earth formed out of water, but by the same word, the heaven and earth that now exist have been stored up by fire. But do not forget this fact, beloved, that with the Lord, one day is as a thousand years, and a thousand years is one day. And the Lord is not slow about his promise, but he wishes to give all time for repentance. So, what this author is saying. Donc, l'auteur affirme que le royaume n'est pas en retard, qu'il peut paraître en retard aux hommes, mais que Dieu a une autre mesure du temps. Il dit aussi que c'est un acte généreux de la part de Dieu qui accorde plus de temps pour se repentir. Quand on prend l'Apocalypse qui clôt le canon du Nouveau Testament, vous voyez l'ange qui révèle à Jean. Le temps est proche. Donc là encore, on a un sentiment d'urgence. Quand on aborde la période des Pères de l'Église, il y a une grande variété de textes où des gens comme Justin Martyr, dans le dialogue avec Tryphon, dit explicitement que la fin des temps approche, qu'il va y avoir une résurrection des corps, que les saints se retrouveront à nouveau à Jérusalem. Et les Pères de l'Église, qui sont orthodoxes aux yeux de la tradition, comme Irénée, qui réaffirmera la visée apocalyptique millénariste. Irénée écrit aux environs de l'année 200, Tertullien aussi. Tous réaffirment énergiquement que le royaume de Dieu arrive bientôt. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la définition de bientôt doit évoluer. Un bientôt qui dure, qui durera et dure encore jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd à l'époque de la communauté primitive, un horizon aussi lointain est inconcevable. Comme le royaume ne se manifeste pas, jour après jour, les problèmes matériels reprennent leur droit. Pour survivre, il devient nécessaire de s'organiser. Il faut accepter de s'installer dans la durée.